Waouh, c'est le meilleur soin du visage que j'ai jamais fait. Soin du visage comme ça tous les 2 mois. Les gars, je vous jure, j'ai l'impression qu'on a enlevé mon âme, mes impuretés de mon âme. Franchement, le dermaplaning, genre, je me demande pourquoi j'ai pas fait cette technique plus tôt. Hello mes petits soleils, bon j'espère que vous allez bien. Je pensais que la lumière elle serait belle dans la voiture, mais en fait il fait tellement moche que non, c'est pas du tout une belle lumière. Je ne me suis pas maquillée, vous avez compris avec le titre de cette vidéo. Aujourd'hui je vais aller faire un soin du visage, je vais tester plein de nouvelles techniques. Des techniques dont j'avais peur comme le dermaplaning, je sais pas ce que ça vaut. Tout le monde dit que c'est une technique révolutionnaire, les soins coréens, etc. Donc on va tester, j'ai pas mis d'anti-cerne exprès. Justement là vous allez voir comment je suis cernée. Regardez pas mes sourcils parce que ça fait 5 semaines que je suis pas sortie de chez moi, que j'ai pas pris la voiture à cause de ma fracture. Je vais vous filmer tout ça. J'avais envoyé un message au salon pour savoir si je pouvais filmer. J'espère que ça sera possible. Je pense que oui, de toute façon, ça sera filmé comme le soin hydrafacial. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est pareil. C'est un soin esthétique du visage très très populaire. Vraiment au top du top. Donc là, pour un lundi matin, sous la pluie, ils avaient dit qu'il faisait temps couvert, mais il pleut. Voilà, on va aller prendre soin de soi lundi matin. Je vais à Montpellier. C'est parti, on y va. Un parking, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Jusqu'à quand? Jusqu'à où même? Et je vais monter au 7e ciel comme ça là. Je monte, je monte, je monte. Je suis au parking Saint-Roch à Montpellier. Ah, bah peut-être que j'ai trouvé une place là. Voilà, il y en a 2. Très bien. Pas du tout, je continue de monter. C'était parking courte durée. Comme je vais rester au moins pour 2 heures. Ah bah voilà, parking 4. Longue durée, c'est ça. C'est une blague. J'arrive là, c'est quoi? Parking complet, juste c'est tout. Faut que ça marche arrière et je monte encore. Dites-moi si on se fout de ma gueule. Je viens de rentrer dans la place de parking et il n'y a pas de place de parking. Il n'y a pas de place. Donc j'ai pris un ticket et là il n'y a pas de place de parking. Tout est plein, il n'y a que de la place pour handicapés. On évite, même si c'est vrai, je suis handicapée, j'ai mal à l'orteil. Mais j'ai pas de carte handicapée. Donc ok, je dois remettre le ticket et remonter encore. Mais j'en peux plus. Non mais n'importe quoi. Genre la meuf qui s'approche pas parce qu'elle a le vertige. Petite découverte de Montpellier. Et moi je vais tout au bout là-bas. J'étais presque au 7e étage. Hein. Je vous garde avec moi. Hein. Alors petit outfit, petite robe et tout. Alors c'est où? Attendez. Ben zéro. Hein. Comme ça au cas où s'il se passe quelque chose, vous êtes avec moi. Bon, vous allez pouvoir rien faire, mais vous êtes avec moi. Au niveau de la peau, je sais pas trop, elle va me faire un diagnostic. Oh, mais j'ai les yeux éclatés. J'étais malade. Je suis tout le temps malade. On est bon, on est là. Je continue de boiter. Ça fait tellement bizarre de venir à Montpellier quand c'est comme ça. Là, c'est très calme. Hein. Non, en même temps, les vacances, c'est fini. C'est fini les vacances. Du coup, les amis, là, vous voyez, je vous montrais la rentrée parce que du coup, moi, j'étais partie vers la gare et en fait vous avez bien ici Skin Face. Exfoliation. D'accord.
On va retirer tous les points morts, les impuretés. Et il y aura une hydratation intense avec plusieurs appareils. Ok. J'ai jamais testé le dermaplaning et apparemment c'est... C'est une première fois ? Oui, c'est ça. Et c'est les meilleurs soins en Corée ? Oui, c'est ce que j'ai... Là, c'est du coup ma base d'acide hyaluronique. On retrouve 5% d'acide hyaluronique. Une tête vraiment. La pénétration des affiches. C'est ça le dernier planning, il faut le faire tous les combien de temps? C'est à peu près tous les deux mois. En fait, on vient aspirer les impuretés. D'accord. Et en même temps, il y a des actifs à base d'acide hyaluronique et vitamine C qui vont pénétrer dans la peau. Ok. Voilà. Donc la vitamine C, ça va venir éclaircir le teint, les taches. J'en ai un peu des taches ou pas? Il y en a quelques-unes ici par exemple. Ouais. Au niveau des joues, des pommettes. Et l'acide hyaluronique, ça va venir occuper la peau et la réhydrater. Ok. Donc là, le micro-peeling, ça sert à quoi? Donc là, ça va agir sur les imperfections, ça va agir sur la petite ridule, sur les boutons, avoir plusieurs actions et les taches brunes. La base d'acide de fruits. Le but en fait, c'est de renouveler la peau. Là, on sent quand on a fait le dermaplaning que l'impression de respirer et que... C'est, on sent la peau plus légère. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ce qu'on me dit souvent. C'est ça, la peau, elle absorbe mieux les principes actifs. Donc là, c'est la lumière thérapie. Il y a plusieurs fonctionnalités. Là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre la lumière rouge. Ça va venir booster la production de collagène. Donc c'est indolore. Un
acidité, niacinamide et acide hyaluronique. C'est vraiment pour booster l'éclat de la peau. Il y aura une forte pression d'air et du coup les actifs vont bien pénétrer dans la peau. Oh punaise, je sors, il y a un super soleil. Eh, regardez mon visage, comment il brille. J'ai pas de make-up et tout. Eh, vraiment, je crois que c'est le meilleur soin que j'ai fait du visage. Si on peut offrir un soin du visage comme ça à tous les deux mois, les gars, je vous jure, je le ferai. Parce que j'ai l'impression qu'on a enlevé mon âme, mes impuretés de mon âme dans ce soin. C'est un truc de fou. Au niveau de l'emplacement, ils vont déménager, ils vont plus être sur Montpellier, centre. Ils vont être sur Latte, donc on attend les nouvelles informations concernant le nouveau salon. Ouais, je me suis sentie vraiment mieux sur ce soin du visage que le soin hydrafacial en fait. Je suis choquée. Ça vous... Franchement, le dermaplaning, je me demande pourquoi j'ai pas fait cette technique plus tôt. C'est trop bien. Je pense que j'avais des pensées limitantes par rapport, comme c'est du duvet, du poil, si on enlève, ça repousse et tout. Mais en fait, c'est l'impression d'enlever tout le gras, toutes les impuretés là, toutes les peaux mortes et ces mouvements sur le visage, c'est affreux. Je vais vous regarder sous tous les angles, sous toutes les lumières, etc. pour voir mon soin parce que je suis trop, trop contente. Je pense que j'irai faire d'autres soins avec cet institut parce qu'il est vraiment très 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 bien. Voilà les amis, aujourd'hui je vous fais un petit check-up de la peau. J'ai pas de fond de teint, j'ai mis juste un peu de blush, un peu de, comment ça s'appelle, de bronzer. Voilà, j'ai fait les yeux parce que là je vais aller faire mes sourcils. Mais franchement, waouh, c'est le meilleur soin du visage que j'ai jamais fait en fait.